ilusión no se puede medir. La gloria no se puede olvidar. La rendición no es una opción. Eh bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, nouvelle vidéo avec Séville. On va continuer là où on s'est arrêté la dernière fois. Après le match face au Real, puis au Milan, on a battu Valence et Eibar, qu'on a bien éclaté avec un doublé de Luca Romero qui a pris un rouge derrière. Donc on n'aura pas Romero face au Barça. Ravidis qui a été buteur face à Valence, ça c'est très très cool. Et donc deux matchs à l'extérieur compliqués, le Barça et Arsenal. On ira voir un petit peu où c'est qu'on en est, en égalité avec le Barça. Et le Barça, il fallait que je vous le dise, a promis peut-être de reposer Lewandowski qui serait peut-être pas titu. J'avoue que ça pourrait m'arranger qu'il ne joue pas, mais on verra. On va voir tout de suite d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'autres infos à vous donner, à part directement jouer ce match-là. Apparemment, il m'annonce Lewandowski, hein, donc est-ce que Xavi aurait menti? J'avais préparé cette compo, Oliver Torres, super début de saison pour l'instant, avec Medina, Martel, Reguilón, Badé, Dianzou, Juanlu, Carnesecchi, Ocampos, Pavlidis et Oscar à droite. Puisqu'on a Romero qui est suspendu et je trouve que Abaldo et Pellistri, pour l'instant, c'est un petit peu timide en ce début de saison, surtout lorsque j'avais mis titulaire Abaldo face au Real Madrid. On l'a pas vu du match. Et Lewandowski est bien titulaire. Hein. Merci Xavi d'être en conférence de presse, de raconter ce que tu veux. Pour la peine, ton Lewandowski, qu'il n'est pas reposé, il va prendre des tacles durs. Fatih aussi, attention, hein, Fatih qui n'est pas préparé. Tout comme, grosse fatigue du côté du Barça, avec Lamine Yamal aussi. Une équipe qui n'a pas tourné, alors que moi j'avais fait un petit peu tourner face à Eibar pour préparer cet enchaînement-là. Puisque après avoir battu Milan, nul face à Arsenal serait bien aussi dans notre campagne européenne. Allez, allez, même là un match nul ça serait bien. Granada hein, qui continue et qui garde la deuxième place. Et c'est parti. Composition assez classique, plutôt tactique, assez classique, avec un gegenpress ligne haute. Ok. La ligne offensive et défensive est assez haute, justement, pour presser et laisser moins d'espace à cette équipe du Barça qui a besoin de place pour développer son jeu, même s'ils peuvent aussi développer petit périmètre. On va presser haut et Fatih et Yamal, ça peut aller très très vite sur les côtés. Va falloir être vigilant. Allez, Juanlu, toujours 0-0, la 24e avec Nianzou, avec Martel, Badé. Badé, c'est pas mal, hein. Début de saison de Badé, plutôt intéressant. Même si Badé est déjà son potentiel quasiment max. Oh, la passe d'Oscar! Quelle passe! Il y a hors-jeu, mais il a découpé la ligne. Formé de Christensen et de Arojo. Avec Koundé, l'ancien sévillan, arrière droit. Les milieux, hein. Les milieux, c'est Pedri, Gavi, De Jong. J'avoue que c'est du lourd, hein. C'est du haut niveau. Bon, la passe. Attention, Carnesecchi en difficulté. Ça va être récupéré par Ocampos. Ocampos, on compte sur toi. On compte sur toi dans ce genre de grand match. Parce que le début de saison de Campos, moi, je suis déçu. On avait parlé de Romero en commentaire. Il était un peu transparent, mais lui, il est jeune encore. Alors qu'Ocampos, censé être un cadre de l'équipe, l'entrée d'Eric Garcia. Non, attends, oui, Eric Garcia à droite, arrière droit. Anki de Jong. Oh, c'était bien tiré, mais Carnesecchi, encore une fois, prouve que dans ce début de saison, il est indispensable. 53e minute, on va... parce que cette stratégie-là a tendance à fatiguer un peu. On va réduire un petit peu la ligne. Et une fois n'est pas coutume, entrée de Farias à la place de Ocampos, qui n'est pas assez incisif. C'est lui qui doit tenter. Lui qui doit provoquer quelque chose, un décalage, un dribble, quelque chose, une frappe. Allez, Nianzou. Medina, superbe passe pour Pavlidis. Retour de Baldé. Allez, on est le premier dessus. Voilà, le contrôle de Reguilón avec Oliver Torres. C'est bien ça, c'est bien. Bien là, on est très bien avec Farias dans l'axe. Dans l'axe avec Pavlidis. Ouverture du score de Séville. Le Camp Nou est éteint. On a éteint le stade. C'est bien joué là, ce que fait Oliver, Badé, on lance par-dessus, pied gauche, Farias qui arrive, elle a donné, Pavlidis à la finition,
Ouais, ça fait plaisir, ça. C'est un peu contre le cours du jeu, mais les occasions du Barça, jusque-là, n'ont pas été si dangereuses. L'entrée de Mika Faye à la place de Baldé. Est-ce que ce sera la faille de l'équipe? La faille de l'invocateur. On est pas mal, je pense que justement Pellistri, il peut avoir ce rôle en joker. On me posait la question, est-ce que j'arrive à faire marcher Pellistri? Mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire, c'est un début de saison. Ah, c'est bien, on va faire entrer Djibril. Djibril Sow en récupérateur défensif, en plus de Martel qui va descendre en milieu def pour justement essayer de verrouiller tout ça. Je vais mettre Nianzou ici, Nianzou. Je pense qu'il a clairement le profil aussi pour pouvoir jouer là. En faisant rentrer Doucouré. Fermin s'est blessé du côté du Barça. Fatih, mauvais match. Il y a Gundogan qui vient de rentrer. Et Lewandowski qui est peut-être passé à côté de son match. Allez, un coup de Kranus là pour bien finir. Non, franchement, on a bien géré. Hein. Par rapport à contre Madrid où on a été inexistant et on a perdu que 1-0. Là, pour le coup, on a su répliquer. On a su avoir des occasions. Mais attention, le Barça, ça peut marquer à la 90+6. Mais normalement, on va le tenir. On va le tenir. L'exploit au Camp Nou. Victoire 1-0. Très, très, très important ce genre de match. Et on voit que dans les termes de XG et de tir, même en occasion, on a rivalisé. On a rivalisé avec cette équipe. Et ça part aussi d'une solidité défensive et d'un gardien qui arrive à garder sa cage. En clean sheet, victoire de Valence, du Betis, de la Sociedad, de Madrid et Granada hein, qui fait nul contre l'Atlético, hein, qui reste troisième. Vallecano qui passe devant le Barça. Ça va être une belle saison ça. Pavlidis, un nouveau buteur. Alors, on n'a pas trop le temps de profiter de cette victoire. On va souffler un peu et on va directement prendre l'avion direction Londres et Arsenal. On a recruté un peu cet été Arsenal ou pas? Junior Kroupi, ah ouais. Kroupi, Arsenal, Kerfeld, 25 millions. Et Ivo Gurbic, le gardien croate. C'est pas des titulaires tout ça, hein. C'est beaucoup d'argent. Il y a aussi Devesbury Hall de Leicester. Là, ça a l'air de jouer un peu plus, mais pas tant que ça. Hein. Seulement deux rentrées en cours de jeu, pas titulaire. Beaucoup d'argent pour du banc. En même temps, il a déjà une grosse équipe qui est en place. Équipe type de la semaine avec Badé, avec Romero et Sow. Romero notamment pour son doublé face à Eibar. Offre de nouveaux contrats des dirigeants. Bah oui. Hein. Oui. 120 000 euros par mois. Ça me va. En vrai, je suis pas si gourmand. Même pour la moitié, je te fais le job IRL. Il n'y a pas de problème. Arsenal-Séville. Arsenal-Séville. Alors j'avoue que on va mettre Romero, mais le reste de l'équipe, il va être, ça va être la même que face au Barça. Et juste un petit truc, j'ai pas envie de prendre trop de risques en début de match. Donc avoir une ligne normale et un bloc offensif bas. Parce que justement, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais qu'on va souffrir. Ramsdale, Benjamin White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Gertruida, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli et Gabi Jesus. Havertz sur le banc. Ils ont Michael Kayode aussi, l'arrière droit de la Fiorentina qu'ils ont dû acheter il n'y a pas si longtemps. Ouh, Zinchenko, il fera pas tout le match. Zinchenko. On va justement lui mettre un gros coup de pression. Et cette musique qui retentit. Ah là là, cette musique, elle te donne directement le petit frisson et elle t'indique, elle attend, elle t'indique que tu joues un match ultra important. Regardé par des millions de personnes. C'est une musique qui a la puissance de te dire, de te montrer l'enjeu du match. Et sonner cette musique, tu sais que tu sais qu'il y a un enjeu de ouf. Allez, White. Derrière avec Saliba, on est dans la maîtrise. Avec Gertruida, Zinchenko. Tout derrière. Pour l'instant, c'est pas ultra dangereux. Attention quand même au départ dans le dos de la défense avec la vitesse de Martinelli ou encore de Gabriel Jesus. Tant que c'est des frappes de loin comme ça, c'est pas inquiétant. Hein. Tu peux continuer à faire tes frappes. Voilà, 3 tirs cadrés, 0,27, c'est que c'était pas super dangereux. Pas d'occasion, ça par contre. C'est pas ma volonté de mettre le bus. Hein. Moi, j'aime pas jouer comme ça. Venir ici pour ne pas jouer et juste faire 0-0, c'est pas vraiment de rendre hommage ni au football, ni aux supporters, ni à personne. Mais c'est peut-être un moyen de se qualifier. Donc, c'est ce qui compte. Hein. Et c'est ça le problème quand dans cette réforme,
plus t'as de matchs et plus tu peux te permettre de faire de matchs nuls. Au moins dans ce genre de match. Ouais, là par contre. Avant d'y réfléchir, il aurait fallu rentrer au vestiaire avec pas un but de retard. Et je commence à perdre patience concernant Lucas Ocampos. 6,3. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour Ocampos? Et blessure de Reguillon au torse. Parce qu'il a pu se passer, mais blessure au torse, c'est pas cool. Hein. Entrée de Gutiérrez. Ah ben là, Ocampos, 6,2. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va faire une petite analyse là. Pourquoi t'es si mal noté? Passe réussie, t'es le plus bas de l'équipe. 63% sur 11 passes. Zéro centre, un tac de merde. Dans les airs, t'as tout perdu. Et zéro tir. Ouais, en même temps, les tirs, c'est pas grave. Ouais. Bon, on va faire le même que... Il avait bien marché, d'ailleurs, l'entrée de Farias. Hein. On va le mettre en ailier. On va passer Oliver en mezzala. On va mettre deux mezzala, tiens. On va mettre deux mezzala. Et lui, va vraiment jouer le rôle de Regista. Regista, c'est un peu con, vous allez me dire. C'est un peu con parce que c'est basé dans des matchs où je suis censé avoir la possession. Mais je veux que ça soit lui qui oriente le jeu. Et qu'ensuite, ça parte avec Medina et Oliver. Et que ça soit prolongé sur les ailes. Alors, dit comme ça, ça paraît OK. Mais maintenant, il faut le mettre en pratique. Et il faut le mettre en pratique face à Arsenal. Ah, Medina, il tient pas. Le problème, il est là. C'est de Goodelge. Là, par contre, c'est plus du Regista Goodelge. Ah. Ah. Martinelli. C'est le roux. On va revoir. On va revoir ce qui s'est passé. Ouais. Ça peut être le tournant du match. Le rouge. Pour Martinelli. Alors là, il est clair que le match nul, on va aller se le chercher. On va aller se le chercher avec Farias, avec Romero, peut-être Rafamir qui va rentrer. Non, mais c'est trop, tout le monde se blesse. Au genou, mais ça se trouve, c'est les croisés. Attends, j'ai fait tous mes changements là. Ah, je me fais avoir parce que j'ai fait les trois sessions, c'est cinq changements, mais en trois fois. Ah là là, je suis vraiment dégueulasse d'avoir fait ça. Ben, on joue à 10 contre 10. Hein. On joue à 10 contre 10. Farias, Oliver, on va faire ça. Hein. On va faire ça. On va devoir jouer comme ça. Hein. Pas de Pavlidis. Et Romero en attaquant. Alors là, si Romero il marque, il va faire comme ça devant la caméra. Samir Nasri, mais à mon avis, on va le perdre ce match. Alors je dis pas que 11 contre 10, on serait revenu à un partout. Mais j'ai clairement fait le con. Après, j'aurais pas pu anticiper malheureusement deux blessures graves dans le même match. J'espère que ça sera pas trop inquiétant. Là, je suis arrivé à un moment du match où. Je m'en fous un petit peu de perdre. J'espère juste que les blessures sont pas trop graves. Parce que si Pavlidis prend les croisés, je me farcis toute la saison avec Rafamir, tout seul. J'avoue que j'ai pris un risque. On pourra faire monter un jeune. Ouais, mais là, Nianzou. Là, on a lâché le match, les gars. Et ouais, mais on n'a plus l'esprit, là. On a vu deux de nos joueurs se faire détruire et partir sur civière. On n'est plus dedans. Allez, siffle la fin. On perd 3-0. À moins que Carnesecchi sur penalty, c'est quand même pas dégueu. Et l'arrêt. Ça sera pour l'honneur, hein, pour les stats. Mais bon, ce match-là, malheureusement, il faudra... gagner d'autres matchs de Ligue des Champions. Ah ! C'est quoi ça ? Je sais que vous voulez finir le match, mais ça ira pas plus vite en marquant contre son camp. On n'est pas sur FIFA, là. Ouais, bien essayé. Ouais, pourquoi vous êtes pas content ? C'est pas le sujet. Je veux savoir si mes joueurs sont vraiment gravement blessés ou pas. Reguillon, les côtes sont pétées 6 à 7 semaines. Et Pavlidis, ligament du genou, 5 à 6 semaines, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est pas les croisés, c'est juste distendu, hein. Les ligaments n'ont pas pété. Mais c'est quand même costaud. C'est quand même plutôt costaud, on va se débrouiller. Rafamir va prendre le poste, ça donnera beaucoup de temps de jeu à Miguel Gutiérrez sur le côté, hein, qui est très bon, moi je trouve. Donc voilà. Calendrier qui devrait aller en vrai. Je veux pas faire le mec, mais Alaves, Mallorca, Almeria, Vallecano, Cadiz, c'est du bas de tableau. C'est du bas de tableau. Je sais qu'IRL, en vrai, on perdrait des points contre Mallorca, contre Vallecano et contre Cadiz. Mais là, avec l'équipe que j'ai, on pourra bien se concentrer sur Naples et sur l'Olympiakos. On peut se retrouver pour Salzbourg, ça sera la revanche.
Je pense qu'on peut se retrouver là-dessus avec un interlude Retafe PSG. Ça peut être très cool, hein. Ça peut être très très cool d'aller voir ça. Sûrement qu'on va faire ça. Merci de laisser un commentaire comme d'habitude. Soutenez cette carrière. Et puis, moi, je vais continuer, tout simplement. À très bientôt. Salut à tous.